Ok les amis, la dernière fois on s'était laissé en dehors de la maison en pleine nuit puisque eh bien Diego s'est fait attaquer par un fantôme. Il avait retourné déjà la nuit dernière sans dessus dessous la chambre de Diego. Et les amis, regardez, je vois déjà des espèces d'entités cheloues là. C'est un peu bizarre, regardez, mais wesh, mais ça c'est quoi ça? C'était pas le fantôme que j'avais vu ça. Regardez, il passe à travers les murs et tout, c'est trop chelou. What? Les amis, c'est trop bizarre, c'est trop bizarre. De toute façon, on a des armes et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit d'utiliser certaines armes en commentaire. Donc je vais écouter vos conseils pour essayer de les tuer. Mais les amis, c'est trop chelou, regardez. C'est comme s'il disparaît puis réapparaissait quand j'avance et quand je recule. Regardez, j'avance, je recule. C'est quoi ça? Ça, c'était pas là, hein. Ça, c'était pas là. Les amis, c'est vraiment trop bizarre. Et même là, je me mets à laguer carrément. Il y a vraiment des entités surpuissantes. Donc voilà, les amis. J'espère en tout cas que cette vidéo va... Oh là, je vous ai braqué carrément avec une arme. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Sinon, bam! Sinon, je te tire dessus. Et n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu et de vous abonner. Donc, voilà. Alors... Du coup, on est parti les amis, n'oubliez vraiment pas de vous abonner, c'est très important. Et là, l'objectif, c'est 4000 pouces bleus. Si on arrive à mettre 4000 pouces bleus, eh frère, je retourne la map, les fantômes, frère, je les invite tous chez moi, on fait une méga fête et tout. Je leur donne un petit verre d'oasis et tout, ça va être incroyable. Voilà, voilà. Donc, du coup, je suis un petit peu moins stressé quand même que la dernière vidéo, tout simplement parce que les abonnés m'ont dit, certains d'entre vous m'ont dit qu'en fait, finalement, c'était des fantômes, enfin, c'était un fantôme, le deuxième, je sais pas, là, on dirait, il est un peu différent. C'était un fantôme qui n'agressait pas forcément les humains. De toute façon, on l'a vu, Diego n'était pas agressé et c'était juste les meubles qui bougeaient. Après, bon, ça peut être un meuble qui est projeté sur Diego et là, dans ce cas-là, il a mal. Donc, du coup, c'est pour ça que Diego, je l'ai bougé. Diego, il est en train de dormir chez le grand-père. Je l'ai mis en sécurité, j'ai fermé la porte. Donc, grand-père et Diego sont enfermés dans la maison du grand-père. Comme ça, je peux m'occuper des fantômes, les amis. Je suis chasseur de fantômes ce soir, je vous le dis. Et en plus de ça, on m'a conseillé plein d'armes. Et on m'a dit, bah, teste celle-là. Elle pourrait peut-être plus, tuer ce fantôme. Ou celle-là, elle est inoffensive et tout. Donc, on va tout tester vraiment aujourd'hui. Je vous dis, aujourd'hui, on est des chasseurs de fantômes, les amis. On est prêts. Normalement, les fantômes ne me feront rien. Et du coup, et bah, voilà. Maintenant, on est des Ghostbusters, les amis. Ghostbusters. Donc, voilà, on va les chasser. On est dans Luigi's Mansion, les amis. C'est le manoir. Je suis Luigi, appelez-moi Luigi aujourd'hui dans les commentaires les amis. Je suis plus Oximos, je suis Luigi Mose et je suis avec mon aspirateur. Je vais aspirer tous les fantômes, je vous le dis moi, je vais aspirer tous les fantômes. Donc voilà, là c'est nickel. Alors j'avais un autre truc à vous dire mais je me rappelle plus, ça me reviendra dans la vidéo les amis. Mais en tout cas restez bien jusqu'à la fin parce que du coup c'était un truc très important mais ça m'est sorti de la tête. Alors du coup, mon arme fétiche, j'ai pas eu le temps de la tester, je vais voir si... Alors mon arme fétiche, déjà il faudrait que les fantômes réapparaissent, je vais regarder dans les caméras monitor. Alors le fantôme n'est pas dans la chambre de Diego. Y a rien dans la chambre de Diego du coup. J'aimerais pas qu'il disparaisse là parce que du coup ma vidéo il y aura personne dedans. Il est là. Ok, il va peut-être traverser le mur. Je vais regarder, je reste à l'extérieur. Il est, je crois que je l'ai vu non? Non je l'ai pas vu. Ok alors, ok, je vais peut-être monter. Je vais peut-être monter, allez je monte. On va monter, je pensais qu'il allait traverser les murs mais non. Mais à chaque fois que je monte, il est là. Ok, il a traversé par la fenêtre. Pourquoi il a ouvert la fenêtre s'il peut traverser les murs? Il a totalement disparu. Oh purée, les amis. C'est hardcore, mais wesh, mais c'est... En fait, ils s'amusent avec moi, là. Ils s'amusent avec moi, ils veulent que... Je sais pas ce qu'ils veulent, les gars. Je vais peut-être... Au pire, j'attends là, non? Oh purée, non. Oh, les gars, il y a eu un reflet dans l'eau, là. J'ai eu trop peur. C'était un reflet de moi ou quoi? Eh, j'ai eu trop peur. Il est là. Je tire dessus. Il a disparu, mais il est pas mort. Donc je pense que mon arme fétiche contre les fantômes, en tout cas ce fantôme là, ça fait rien. Alors j'ai une deuxième arme, il y en a un là. C'est lui, il est là. Ah non, ça c'est une plante ça. Pourquoi j'ai confondu une plante avec un fantôme? Il y avait vraiment un fantôme là, on est d'accord. Il est là. Ah, il traverse les murs. Il est trop rapide ce fantôme, il est trop rapide. Peut-être que je pourrais l'attirer avec quelque chose les amis. Peut-être que je pourrais l'attirer avec un espèce de... Attendez, dans la boîte aux lettres, j'ai pas des vêtements de Diego que j'avais acheté? Si, j'ai une tête de Diego. Je vais poser la tête de Diego. Je vais poser la tête de Diego par terre, peut-être qu'il va être attiré avec ça. Vous savez quoi, on va la poser juste après, si vraiment on n'arrive pas à capturer le fantôme. Ok. Il est là.
Mais là, il disparaît direct. Bon, attendez, les amis. On va prendre d'autres armes parce qu'on m'a dit que Oh, il est là. Donc, ouais, ça fait rien. Ça fait rien non plus. J'ai l'impression qu'il disparaît un peu plus, c'est Alien Blaster. Avec l'Alien Blaster, dès que je tire dessus, il disparaît un peu plus. Par contre, vraiment, mon arme fétiche, elle fait absolument rien. Donc, mon arme fétiche qui fait absolument rien, l'Alien Blaster. Alors, on m'a conseillé plein d'autres armes, je vais les découvrir avec vous. C'est le PDW. Le PDW et le Pulse Rifle, c'est des deux armes qui se ressemblent. On m'a dit que c'était des armes qui étaient un peu différentes, mais en tout cas qui pourraient bien faire effet. Le Deatomizer Pistol, ça, on m'a dit que ça faisait effet, mais pas beaucoup, parce que c'était un petit pistolet, c'était un peu comme le Alien Blaster. Alors je vais voir si c'est vraiment comme le Alien Blaster. Alors du coup, je vais tester le Alien Blaster, ok. Et le Deatomizer Pistol... Ah d'accord, oui, c'est un truc bleu. Ok. Alors, le Pulse Rifle, c'est un laser, non? Ah non, c'est un... D'accord, oui, ça balance carrément des balles en feu. Et là, le PDW... Ah oui, donc c'est les armes similaires, ça. Donc ça, c'est au coup par coup. Je fais un coup. Ça balance 2-3 balles. Vous voyez? Et ça... Ça, c'est des rafales. Donc, on va tester déjà avec ces armes-là. Bon, peut-être qu'il a eu peur avec le bruit. On va mettre la tête de Diego. On va mettre la tête de Diego. On va la mettre au milieu du jardin. Comme ça, on aura un espace de tir. Voilà, on va la mettre là. Et peut-être qu'il va faire quelque chose. Donc, on va se cacher ici, les amis. Et on va voir comment il va réagir. Tiens, je vais mettre un bloc ici. Voilà, il est là, il est là. Il a disparu. Je pense qu'il m'a vu. Je sais pas s'il m'a vu. Il est là, il est là. Alors. Non, ça fait rien. Ah, il a disparu quand même. J'ai l'impression que si ça fait rien, vraiment, il s'en fout. J'ai vraiment que le... Les amis, il faut vraiment essayer de l'avoir. Ça lui fait rien. Ça lui fait rien, wesh. Non, 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 wesh, qu'est-ce qu'il me fait? J'ai peur qu'il me jette un sort. Je vous jure, j'ai peur qu'il me jette un sort. Ça fait rien, ces armes-là. C'est nul, c'est nul. Alors, on m'a conseillé d'autres armes. Alors, celle-là, on m'a dit que c'était nul. Celle-là aussi... L'Alien Blaster, bah, on m'a dit que ça marchait bien, c'est pour ça que je l'ai pris en premier. Le Flamethrower, c'est un lance-flamme, alors j'espère que ça rendra bien. Après, ça, c'est des armes classiques. On m'a dit de surtout pas utiliser le Grenade Launcher. Donc voilà. Le Biogun, on m'a dit que ça marchait redoutablement bien. Et il y en a un dernier, le Tesla Gun, ça donne des décharges, on verra, on m'a dit test. Et le dernier qu'on m'a dit vraiment d'utiliser, c'est le Nuclear Death Ray. Ça, celui-là, on m'a dit, c'est redoutable. Donc on va d'abord tester le Flamethrower, c'est le lance-flamme. Il est là. Oh purée, il a disparu direct. Oh, non, purée, faut pas que je mette feu à ma maison encore. Faut pas que je mette feu à ma maison. Donc là, les amis, vraiment, le but, c'est de le tuer aujourd'hui. Hein. C'est de le tuer. Ça fait rien. Ok, le biogun maintenant. Le biogun. Oh, c'est comme mon arme fétiche, on peut la recharger. Ok. Oh, dans le mille. J'ai l'impression que ça l'a un peu immobilisé, les amis. On dirait que ça l'a un peu étourdi. On dirait qu'il reste un peu plus. Je sais pas si c'est à l'ail étourdi ou justement ça lui fait rien du tout. J'ai du mal à savoir. Purée, c'est nul, mais les fantômes, ils ont besoin d'un aspirateur ou quoi? Le Tesla Gun? Ok, le Tesla Gun, ça lui fait rien. Ça le repousse, on dirait, le Tesla Gun. Ça le repousse. Et le Biogun, est-ce que ça l'immobilise? Ouais, le Biogun, ça l'immobilise. Le Tesla Gun, ça le repousse. Ok, le... Ok, ça le repousse. Et maintenant, on va tester le Nuclear Death Ray, les amis. Alors, c'était quoi? Le Flamethrower, c'est nul. Donc, l'Alien Blaster, ça le fait disparaître. Donc, mon affectif, c'est rien. L'Alien Blaster, ça le fait disparaître. Le Biogun, ça le calme. Le Tesla Gun, ça le repousse. Et le Nuclear Death Ray, alors, j'ai peur de le tester en intérieur. Il vient de rentrer à l'intérieur. On va mettre plusieurs têtes de Diego, les amis. Voilà, on va mettre plusieurs têtes de Diego. On en met partout. Ouais, Diego, là, j'espère qu'il dort. J'espère pas qu'il me regarde par la fenêtre, là. Non, c'est bon. C'est bon. Voilà, donc là, c'est bon. Hop. Et vas-y, là, dès qu'il arrive, on lui... Là! Ouah, c'est quoi, ça? Wesh, c'est un gros rayon laser. Ok. Ok, ok. J'ai l'impression que... Regardez, il est en train de cramer. Il y a des espèces de particules sur lui. Il y a des espèces de particules. Ok. Ok, je crois que je suis en train d'aspirer son énergie. Les amis, c'est en train de marcher, je crois. C'est en train de marcher. Ok. Ok, ok. Ça a marché? J'ai aspiré... Wesh! J'ai aspiré son énergie.
Les amis, what the fuck? Ça marche, ok. Ok, super. On a, donc c'est bien ce qu'on... Ok, nickel. Ok, on aspire son énergie. Il a disparu. Il a disparu, les amis. On a réussi. On a réussi, wesh. C'est bon, bon, on sait ce que... On sait que le nucléaire des Srei, ça éloigne les fins, ça les tue les fantômes carrément. Ça leur aspire toute leur énergie. C'est bon, les amis, je suis un vrai chasseur de fantômes maintenant. Je sais comment faire disparaître, immobiliser. Oh, je sais tout faire là. Alien Blaster, Biogun, Tesla Gun, Nucléaire Death Ray. Oh là là, c'est incroyable, les amis, c'est incroyable. Let's go, let's go. Oh purée, c'est un truc de ouf. Eh les amis, vraiment, mettez un pouce bleu pour cette découverte. Il n'y a plus qu'à annoncer ça à Diego qui pourrait être carré. D'ailleurs les amis, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. La vidéo n'est pas finie, j'ai une grosse surprise pour vous à la fin. Vraiment, donc vraiment restez bien jusqu'à la fin les amis. Et là voilà, donc on va enlever les têtes de Diego. Je pense qu'il n'y a plus besoin. On va enlever les têtes de Diego. Tac, 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 tac. Voilà, tac, tac. On va en garder une qu'on va remettre dans la boîte aux lettres avec les fausses affaires de Diego. Et voilà, je pense que là on est bien. Ok, bon bah les amis, le jour va bientôt se lever. J'espère qu'il y aura... What? C'était quoi ça? Les amis, on aurait dit... C'est un autre fantôme? C'est un autre fantôme? Ok, c'est un autre fantôme. C'est le fantôme du début? Ok. Il ralentit. Ok, j'aspire son énergie, les amis. J'aspire son énergie. Comment ça, il va un deuxième fantôme? Regardez-le! Regardez-le! What? Oh, il fait peur, celui-là! Ok, purée, ça en met du temps par contre. C'est vraiment... Ok. Ouah, les amis, c'est redoutable. Le nucléaire Death Ray, c'est redoutable. Mais wesh, mais par contre, deux fantômes, wesh. Il y avait deux fantômes. Bon, attendez, les amis. Oh là là, c'est un truc de fou ce qui vient de se passer. C'est bon, bah c'est bon, les amis. Mais comment ça se fait? Comment ça se fait qu'on m'envoie des fantômes comme ça, là? C'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Bon, en tout cas, les amis, au moins, on a trouvé la solution. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'est vraiment cool. Je vous rappelle, les amis, le truc vraiment important, c'est qu'à mes 10 000 followers sur Twitch, où je live tous les jours pour construire la future ville RP, eh bien, je live tous les jours là-bas, et aux 10 000 followers, je ferai gagner des V-Bucks, des Robux, de l'argent Steam, de l'argent Nintendo eShop, je ferai gagner plein de trucs. Donc, n'oubliez pas de me follow sur Twitch et de me follow sur Twitter, parce que le concours se passera sur Twitter. Tous les liens sont dans la description, et n'oubliez pas de checker ma boutique de vêtements pour commander pas mal de trucs. Il y a même des coques de téléphone et tout, elles sont vraiment cool. Ma coque, j'utilise tous les jours. J'ai même mon mug, que j'utilise. Voilà, bon, bref, il est par terre. J'ai fini de boire mon petit café et voilà, là, je suis méga chaud. Donc, voilà, les amis, merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de checker tous les liens en description. Moi, je fais plein de bisous. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. C'était Oxymose pour vous servir. Allez, ciao, ciao.